prochaine conférence ça qui est en nationale pour une transition, pour me fâcher à bail. Objectif conférence là aujourd'hui, c'est un, pour nous capables de faire un constat de situation pays que pendant 10 ans, PHTK a crasé toute institution dans le pays. Deux, pour nous parler de l'ensemble de décrets malachons, tête en bas, que Jovenel Moïse, président de facto, a pris dans le pays pour le fouer dans tout pit fond toujours. Et troisième gros raison, c'est gros qu'aucune chaîne manifestation 28-29 qui a venu là, qui va le faire, dans l'occasion 34e anniversaire Constitution, mars 87 là. Sans nous pas perdre du temps, je vais passer nous, sénateur Steven Benoît, qui va nous rapidement, dans 2 minutes, un panorama de situation, et est capable de montrer décret ça qui a affecté la population haïtienne. Et en deuxième lieu, je vais passer nos camarades La Rochelle, qui lui-même va parler nous de l'implication en tant que clan dans la gros Kenchen manifestation 28-29 mars qui a venu là. Sénateur Steven. Merci, Maître Lissilob. Nous, en tant que national pour transition coupée fâchée, transition de rupture en français, nous remercions la presse qui répond présent à l'invitation. Jean-Maître Lissilob Dili, nous avons 3 points, mais je vais couvrir le 2e point. Qui s'est dénoncé quelques décrets et arrêtés illégaux et inconstitutionnels que l'ancien président criminel Jovenel Moïse a pris dans le pays depuis janvier 2020, depuis les illégalement dévoyé parlement aller pour le arrêter seul mettre à bord. Premier bagage Jovenel fait, l'ivoyé parlement aller et commencer à vider des décrets. Constitution qui en vigueur, bien que même pour moi son folie. Depuis 2011, m'a dénoncé ça nous les constitutions sont faux parce que c'est M. Martelly à quelques sénateurs et quelques députés corrompus qui ont comporté pour contrôler après que le parlementaire ait fait une vote en Assemblée nationale le 7, 8, 9 mai 2001 pour amendement à la constitution pays. Donc moi-même, j'ai dénoncé, 10 ans plus tard, m'a dénoncé. Mais Jovenel Moïse a plus loin lui-même, il mettait le côté net. Je veux dire, monsieur la constitution, monsieur le président, son roi lié. Mais roi, toujours en forme, toujours en jambier. Jovenel Moïse par une forme, Jovenel Moïse par respecter rien. Donc Jovenel Moïse par un roi, Jovenel Moïse son chef gang, lié Jodia, il a coopéré un gang. Et ça, pour lui, tout le monde qui semble lui, il mettait en fédération, il font fédération des gangs G9 et alliés et familles, qui semaient la deuil dans toute la pointe pays et plus particulièrement dans la zone métropolitaine, côté ces des milliers de monde qui kidnappaient, qui violaient, qui décapitalisaient nos rançons et gagnaient plus précisément hier pour un jeune entrepreneur, ils ont kidnappé à madame, ils ont lagué madame les rançons, ils portaient le bayon, ils ont violé madame plusieurs fois, ils ont tué l'entrepreneur là. Plus récemment, même hier encore, on doit entrepreneur sur le Canada qui a investi tant d'énergie comme dans le pays, ils ont assassiné. Même hier encore, un policier encore tombé. Ça fait 11 ou jusqu'à 12 personnes qui ont côté Luc Doré. Nous avons dit que 12 policiers aujourd'hui qui mourent. Non, mais sous compte Jovenel Moïse, c'est lui qui fédérait gang. L'autre bagage, il prend encore l'autre mesure, il mettait Annie. Il mettait CEP pour la faire référendum, nous tendait pour la faire élection pour PHTK, Jean-Jacques Guy Lafontaine Dia, pour faire 50 ans au pouvoir. Dernière, bon, comme nous parlons en pile temps, dernière, loi d'urgence. Que le Parlement a voté une deuxième fois en 2010, il a voté en 2008 à l'unanimité. En 2010, il s'est consacré à CEH, il a voté, pas voté, mais il a voté. Et je dis, Jovenel Moïse, pour loi. Parlement a voté presque à l'unanimité. Je veux dire, pour l'ICAB, fait salver à l'Est pays avec tirer ce qui est dans la Banque centrale à ministère des Finances, nous avons déclaré état d'urgence sur tout morceau de territoire pays. Alors que loi état d'urgence secret, pour déclarer état d'urgence, le gain désastre naturel. Je veux dire, pas où des volcans, des tremblements de terre, des cyclones, des glissements de terrain, des inondations. Dans quel côté dans le pays? Jovenel Moïse, je veux dire, qui connaît que le poids aller dans les semaines ou les jours, ou peut-être au mois, je me suis pressé pour faire un maximum de preuves sur deux peuples là. Millions qui étaient serrés dans plusieurs pays au passé, je veux dire, avant d'aller, il faut le prendre, si ça tire, si il y a des peuples là, pas oublier, l'on est en état d'urgence,
ou pas besoin CNMP pour faire appel d'offres, ou pas besoin passer pour la Cour des comptes. Jovenel Moïse qui a monté une compagnie 100 000 ou une compagnie parle à madame ni pour yon unique à acheter à dépenser dans nos peuples haïtiens sans contrôle. Et nous parlons dans un mois, le intelligence fini pour avoir des millions et des millions de dollars américains qui dépensent dans le cas d'urgence alors que pas de d'urgence. Donc c'est une énième violation de loi en vigueur PIA, de constitution PIA. Et pour toutes raisons, ça y est, crime, kidnapping, et vol sous transfert haïtien à voyer, haïtien l'autre bord de l'eau à voyer pour famille ici. Ça sont crimes financiers et tout. Suite à tout crime ça, nous même je dis à nous chita pour nous dénoncer et à travers sa société civile la fait gros marche, méga marche la fait 28 et 29 là, nous là pour nous supporter. Et n'a passé camarade Rochelle la parole pour lui bailler plus de détails sur 28 et 29 mars. Merci. Nous sommes plusieurs médias là. Dis-nous comment nous voyons. Nous sommes plusieurs médias. Qui me dit nous bonsoir? Jovenel, vous voyez, innocent, une triple. Il n'y a pas de personne. Parce que tout le monde se demande ici. Il n'y a pas de sac citoyen, sac pas citoyen, il n'y a pas de personne. Je finis de faire comme moi. Même si je mets péril dans la caméra. C'est dit dans Freddy. Je travaille à bord. Je fais comme moi dans Freddy. Je dis à mon père vivre la donne. Jovenel, avouez venir, oui. Mais vous voyez, les gars venir tribler. Rassol, les gars. Parce que les gars, rassol, les gars. Attirez les gens. Les gens qui prennent une balle, les gens qui mourent dans la. C'est juste après avoir les gens qui mourent. Tellement, Jovenel, vous voyez, les gens tribler. Les gens qui entrent dans la. C'est ça, mais vous savez, ça, les gens. Chatché, foule. Jovenel, voyez mon Dieu, venez faire ça avec Léon Charles. Mais l'éternel campé, l'éternel dit nous, nous ne sommes pas mourir. Si vous êtes venu, si vous sortez le monde, vous avez un bénéfice par vous, c'est Jovenel. Allez, Léon Charles qui vous voyez un bénéfice. Une paix là. Parce que nous va au côté, nous y est, c'est tout le monde qui n'a pas gagné, tout pas gagné sur la donne. Léon Charles, vous avez venu de ce football là. Léon Charles, fait de vingue boule, la vingue sable, tout le monde, mais tout le monde va, tout le monde va bandit. Les gars, soit vingue chercher bandit, restez là, chercher bandit, y'a un innocent là, y'a pas que Marie Côté Malé. Qui m'a gardé dans le place Cétane, y'a un casse à les actions, y'a un bâtiment, y'a un tiré, déjà là, militaire, tout ce master, c'est battre le monde, maltraiter le monde, militaire, maltraiter le monde. Il n'est pas sérieux, monsieur. Nous avons fait le travail, non. Mais nous avons passé. Quitte le passé, battre le maltraiteur. Je vous ai dit, tout le monde qui est dans la zone, tout ce monde dit, militaire ou battre. Mais le militaire est en train. Merci beaucoup. Combien de temps vous avez vendu dans le village? Hein? Combien de temps vous avez? Combien de temps vous avez? Vous avez 35 ans là. Ça veut dire tout avoir, tout bagarre. Tout avoir, monsieur Lambert. Je ne vais pas aller de l'autre côté. C'est un bon travail. Et le Freddy me travaille. Je vais vivre avec moi. Même pas vivre là-dedans. Ma course dehors. N'est-ce pas affiché mon coup de bâton. Malgré tes mounes. C'est pas possible. Je ne vais pas voir. Moun. Même ministère, il vient courir. Il vient tourner même gens encore. Il n'y a pas ces mêmes gens encore. Ministère, il a battu dans l'arrière. Il ne m'attend pas. Il n'y a pas ces mêmes gens encore. Quel message vous voyez? Vous voyez un message. Balé en châle. Vous voyez un message. Bah Jovenel Moïse, dis entre ministères, je vous classe je vous tout le monde va vous dire, quittez mon ce qu'il est, pour chercher la vie mieux. Nous avons un appareil dans le bio là. Appareil, il y a un accident de motocyclette. Ah, ok. Et pas mal, je ne viens pas faire mon petit accident de motocyclette. Je vais être flammé, moi, tout ça a été coupé. Je vais me battre pour ce que tu vivre là. Mais l'éternel est plus grand, un grand-père. Non, mais ça a déroulé dans le village là pour ça, que longtemps parti en France, que ça s'est dit. Même Dieu, je me répète tout le lien quoi. Si ça va couler dans le village là, c'est Léon Charles qui voulait faire ça couler. Léon Charles voulait tribler tout le monde, pas qu'il est innocent, tout ce monde qu'il a. Parce que le monde dit ghetto pas j'aime bien, ghetto pas qu'on ne pas innocent. Parce que Léon Charles dit,
cibler tout le monde pour le cabinet. Ça, c'est football, il a joué match. Mais c'est pas sérieux. Léon Charles, à tout Jovenel Moïse, moi, j'étais sous pouvoir, mon app ciblé, mon app pris, mes couliers, mes sites là, vers les morts de le bloquer. Vers votre morts de le bloquer. Ça fait ça parce que, pas que mon papier c'est qu'il est. Mais, entre, ou pas rentrer, vous avez caca dans le monde, Jovenel. Vous avez caca dans le monde, Léon Charles. Merci. Malfaiteur. Merci. Merci, monsieur. Merci beaucoup.